ce vendredi. Le plus grand centre culturel des arts pour l'Afrique centrale sort des terres à Kinshasa. Cette gigantesque infrastructure sera livrée d'ici la fin de cette année. Et actuellement, les travaux touchent déjà à leur terme et sont évalués à plus de 85%. Les ministres des infrastructures étaient descendus hier sur le chantier pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire de votre secteur, le nouveau plan d'action de la politique sémencière nationale de RDC en plein chantier. Ce nouveau document qui va s'étendre pendant 2 ans couvrira le besoin des 6 provinces en RDC. Les experts du secteur et les ministres de recherche scientifique sont déployés en atelier pour donner du contenu à ces plans qui vise à améliorer la sémence en RDC. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, de la culture et de la musique. Jossar Nyokalongo Diyanyosh a 70 ans. Hommes politiques, culturels et musiciens se sont retrouvés hier en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe d'action des grâces pour célébrer les patrons du groupe Zeiko Langa Langa, un anniversaire couronné par la remise d'une nouvelle Jeep, un don du chef de l'État. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. 69, c'est le nombre de hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près de la Cour de cassation qui ont prêté serment hier jeudi devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans la salle du Palais de la Nation. Blandine Zouvo pour le reportage. Les principales tenues sont aperçues dans la salle du congrès du Palais de la Nation. En bleu, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle non concernés pour la cérémonie du jour. Et ceux en épitoge rouge sont des magistrats du siège et du parquet près la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ils sont au total 69 hauts magistrats nommés dans une série d'ordonnances lue à la Radio-Télévision Nationale Congolaise le 15 août dernier, dans lesquelles le chef de l'État avait procédé à des nouvelles mises en place au sein de la magistrature. Certains magistrats avaient été promus, d'autres révoqués, mis à la retraite et plusieurs autres encore ont fait l'objet de démissions d'office. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de prestation de serment. D'abord, la locution du conseiller principal du chef de l'État au Collège politique et processus électoral, Maître Jacquemin Chabani, qui a circonscrit le contexte de l'événement du jour avant de procéder ensuite à la lecture des ordonnances portant organisation juridique en République démocratique du Congo. Dans l'ordre de préséance, d'abord, seul le président de la Cour de cassation qui prête serment devant le magistrat suprême. À sa suite, les présidents de la Cour de cassation, puis leurs conseillers, suivis des premiers avocats généraux près la Cour de cassation et leurs conseillers, ainsi que les présidents au Conseil d'État et leurs conseillers. La série sera clôturée par les premiers avocats généraux près la Cour de cassation et les avocats généraux près le Conseil d'État. Les heureux promus ont prêté serment devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément aux prescrits de la Constitution. Et les lois de la République démocratique du Congo, et les remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Cette cérémonie revêt un intérêt particulier car elle traduit la volonté du magistrat suprême de poursuivre les réformes au sein de l'appareil judiciaire congolais. En République démocratique du Congo, conformément à la constitution du pays, les magistrats sont nommés, promus et révoqués par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Dans l'assistance, il y avait le premier ministre chef du gouvernement, le président du Sénat, le vice-président de l'Assemblée nationale et les animateurs des différentes institutions de la République. Merci.
Restons toujours aux installations du Palais de la Nation où le chef de l'État poursuivit sa journée en accordant une audience à l'ambassadeur de l'État israélien. Ce dernier a exprimé la volonté de son pays à travailler de manière bilatérale pour le développement de la RDC. Regardons. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience jeudi le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël, Shimon Solomon, en marge de la prestation de serment des hauts magistrats. Je suis venu ici en visite et je suis également le nouvel ambassadeur en RDC. Nous avons une très bonne relation entre la RDC et Israël, historiquement et particulièrement depuis l'année dernière dans différents domaines. Nous continuons donc à discuter de moyens de renforcer les relations entre les deux nations. Plus de 40 ans d'amitié lient les deux pays qui partagent des défis communs à relever. Vous savez, Israël est un nouveau pays, petit pays avec énormément de défis. Pas d'eau, pas de pluie, le pays est à 60% désertique et nous avons beaucoup d'ennemis. Cette année, Israël a développé beaucoup de solutions technologiques pour l'agriculture et dans d'autres domaines. Nous savons que les défis entre RDC ne sont pas faciles, donc nous souhaitons partager notre expertise afin de collaborer de manière bilatérale et attirer les compagnies israéliennes à travailler ici, à être présentes, parce que nos relations, comme je l'ai dit, sont vraiment solides. Le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël s'est dit ravi de cette rencontre avec le président Tshisekedi et reste confiant quant à l'avenir des deux nations. La ville de Goma continue de pleurer ses morts des incidents du 30 août dernier. Le vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kamerhe, en provenance de la ville de Bukavu vers Kinshasa, a fait une escale express à Goma pour compatir avec la population, comme nous disent Annie Mbalaka et Romain Mouta. 10 jours après les événements douloureux du 30 août 2023 à Goma, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, en provenance de Bukavu dans la province du Sud Kivu, a fait une escale à l'aéroport de Goma pour compatir avec ce peuple meurtri. Au pied de la passerelle, le docteur Vital Kamerhe a adressé un message de condoléances aux familles des victimes avant de demander aux gomatriciens de soutenir les efforts du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo pour le retour de la paix dans la province du Nord Kivu. Je ne pouvais pas faire Bukavu après avoir appris le deuil qui a frappé nos frères et sœurs de Goma, nos parents, sans s'arrêter à Goma. Voilà pourquoi je me suis arrêté ici pendant une heure de temps pour communier avec cette population. Je ne peux pas me rendre en ville parce que nous devons éviter de créer la confusion pendant que les enquêtes se poursuivent. Mais nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances, pour une fois, on les réitère, à toutes les familles éprouvées. Nous présentons les condoléances aussi à la famille de Pierre Paipayo Aksakasigé, notre grand notable, qui vient de nous quitter. À mon petit frère, l'ancien gouverneur du Sud Kivu, lui Léon Solidaire, qui est mort aussi hier. Mais je voudrais encourager le gouvernement et l'état-major général, l'auditorat militaire, d'abord dans les mesures qui ont été prises, pour sanctionner, mais ensuite les encourager à aller jusqu'au bout. Et c'est le moment et l'occasion de demander à la population de demeurer calme pour laisser la justice militaire faire son travail. Le pacificateur Vital Kamerhe a également appelé à l'unité et à l'amour entre les communautés afin d'éviter toute division qui va profiter à ceux qui nous veulent du mal, a-t-il conclu. Prolongation des forces régionales de l'EAC dans la partie est de l'RDC et les cantonnements du M23, des sujets évoqués lors des échanges entre le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Moussania Mouissi et les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac en mission en RDC. Sylvie Mouimbo pour d'autres détails. Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Wang Xia, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussania Mouissi, a réitéré la position du gouvernement congolais relative à la stabilisation dans la partie est et le désarmement des M23, RDF ainsi que tous les groupes armés opérant dans cette contrée de la République démocratique du Congo. Selon Wang Xia, les Nations Unies soutiennent les initiatives de paix régionales, à savoir le processus de Luanda et Nairobi qui
vise au rétablissement d'une relation apaisée entre la RDC et le Rwanda. Toutefois, les consultations politiques et efforts militaires sont préconisées dans les deux approches. Le ministre m'a donné beaucoup de réflexions. Ces réflexions contribueraient à détendre la situation actuelle, qui est une situation très tendue. Je pense que c'est dans une situation apaisée qu'on aurait fait avancer les efforts diplomatiques et politiques en cours, et un bon déroulement de ces efforts est dans l'intérêt de toute la région et notamment des pays comme le vôtre, comme les autres pays clés de la région des Grands Lacs. Antipas Moussa Niamouissi, ministre d'État en charge de l'intégration régionale, de son côté a rappelé qu'il est prévu un pré-cantonnement et un cantonnement en ce qui concerne le 1-23. Pour ce qui est de la prolongation du mandat de la force régionale, cela a été décidé à Nairobi par tous les membres de l'EAC. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs fera un rapport au secrétaire général des Nations Unies de tous les éléments nouveaux récoltés auprès des autorités congolaises après ces consultations. Avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, Toumba Luaba, le représentant du secrétaire national des Nations Unies dans la région du Grand Lac a abordé plusieurs questions, notamment la révisitation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Joël Kaimbe, Tony Djuma pour le reportage. Signé il y a 10 ans pour le retour de la paix durable dans la région des Grands Lacs et particulièrement la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les efforts se multiplient au mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba. À ce jour, son coordonnateur national Alphonse Toumba Luaba a reçu en audience l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, avec qui ils ont échangé sur le processus de révisitation de cet engagement signé par plus de 11 pays. Il faut avouer aussi qu'une meilleure mise en œuvre des engagements prévus dans ce document juridique s'impose. Et c'est ça l'importance de ce travail de revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Comment évaluer le chemin parcouru, les résultats obtenus, l'insuffisance, pourquoi et après comment mieux faire. Et donc, cette réflexion sur la revitalisation est en cours. Pour le coordonnateur du mécanisme national de suivi, tous les acteurs sont mis à contribution. La communauté internationale assume sa part de responsabilité. La RDC assume aussi sa responsabilité. Et nous travaillons en partenariat pour arriver à des résultats qui puissent consolider la paix, la sécurité, relancer le développement et même la coopération régionale. L'accord cadre d'Addis Abeba encourage les partenaires régionaux et internationaux, les partenaires techniques et financiers à tenir leurs promesses pour le développement économique de la RDC et de la région. Quelle est la mission première de la Maison des élections et comment fonctionne-t-elle? À deux sujets qui seront abordés au cours d'un atelier de renforcement des capacités organisé à l'attention des équipes techniques de cette maison, des formations dispensées par les experts électoraux de la CENI. D'autres précisions dans ce reportage de Téti Samba et Jéristo Fondje. Pendant 3 jours, les experts électoraux de la Commission électorale nationale indépendante vont outiller l'équipe technique de la Maison des élections sur les missions et les approches pour son fonctionnement optimal. Les bénéficiaires de cette formation devront maîtriser les contours du cycle électoral et produire les outils techniques pour assurer la communication et la sensibilisation sur le déroulement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est le rapporteur adjoint Paul Moïne Moulembéry qui a, au nom du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, ouvert ses travaux. Cet atelier va mettre à niveau tout le monde, afin que chacun qui sera dans cette maison soit en mesure de rehausser les niveaux de renommée de notre institution et de notre vocabulaire, le rebranding, qui veut que nous devons changer l'image et la perception de la CENI vis-à-vis des acteurs. Au nom de notre président Denis Kadima, nous déclarons ouvert l'atelier de formation ce jour et vous souhaitons tous une très bonne participation. Paul Moïndo Moulembéry a en outre invité les participants à cet atelier à l'assiduité tout au long de cette formation afin d'assimiler les connaissances qui seront rendues disponibles pendant ces 3 jours de formation.
Je le dis à l'ouverture de ces journaux, les plus grands centres culturels des arts pour l'Afrique centrale sortent des terres à Kinshasa. Cette gigantesque infrastructure sera livrée d'ici la fin de cette année et actuellement les travaux touchent déjà à leur terme et sont évalués à plus de 85%. Le ministre des infrastructures était descendu sur le chantier pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Chimène Dondo et Erudis Kitutu pour le reportage. Après la visite de la route Nzolana dans la commune de Ngaliema, cap vers la commune de Kasavubu, où le ministre d'État en charge des infrastructures a visité le centre culturel de Zar pour l'Afrique centrale en pleine construction et dans sa phase finale. Après avoir pris langue avec le responsable de ces projets qui symbolisent la coopération gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine, Alexis Guicharo annonce des réunions pour des travaux de finissage, bien qu'il y a eu quelques problèmes. Les différentes visites que nous avons faites sur le chantier, nous avons pu constater que le planning était respecté. Et aujourd'hui encore, nous sommes pratiquement à 3 mois et demi de l'achèvement des travaux et nous sommes pratiquement à un taux d'exécution de 85%, ce qui nous laisse présager que les délais seront respectés. Et nous allons multiplier maintenant les rencontres avec les responsables du projet. Aujourd'hui, il n'y a rien qui devrait empêcher à ce que ce projet puisse être mené à terme et qu'il puisse respecter les délais. Érigé dans la concession située entre le boulevard Triomphal et les avenues Victoire et Sayo, en face du Palais du Peuple, ce centre sera le plus grand de l'Afrique centrale. Cet ouvrage va recevoir des spectacles de haut niveau avec des salles de 2000 places, avec celles de 800. Sans compter d'autres bâtiments. Les travaux exécutés par l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group. Et puis, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, veut ouvrir le chéquier. 56 millions de dollars américains seront débloqués pour financer un grand projet des infrastructures. Ces projets concernent la réhabilitation des 14 artères de la ville de Kinshasa, la construction d'un pont sur la rivière Ndjili et les travaux anti-érosifs. Bien avant, le délégué de cette banque et le gouvernement sont autour d'une table dans un atelier de 2 jours pour réfléchir sur la réalisation de ces projets, comme nous dit Betty Amani. Les artères en mauvais état dans la ville de Kinshasa connaîtront des grands travaux. Un atelier a ouvert ses portes, quant à ses, pour réfléchir sur les voies et moyens de l'exécution du projet de réhabilitation et bitumage de la voirie de Kinshasa dans sa deuxième phase. 14 artères, construction d'un pont sur la rivière Ndjili et travaux anti-érosifs sont concernés par ce projet financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, à hauteur de 56 millions de dollars américains. Ces projets d'utilité sociale visent à moderniser des infrastructures de base et améliorer des conditions sociales de la population. Les directeurs du cabinet du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics qui a ouvert cet atelier est revenu sur les objectifs et les attentes. Le projet de la phase 2 a pour objectif désenclaver les quartiers populaires et pour et assurer la liaison directe entre les différentes communes de la ville de Kinshasa. La BADEA, partenaire technique et financier, apporte quelques précisions. C'est un projet important qui porte sur 14 artères dans la ville de Kinshasa, sur un linéaire total de 36 km. L'atelier qui est là aujourd'hui vise deux objectifs, la communication sur le projet, ses composantes, et la familiarisation avec les procédures de la BADEA. La cellule infrastructure, organe technique du ministère des infrastructures et travaux publics, par son coordonnateur, Théophile Ntela est revenu sur l'impact du désengorgement des artères de la ville de Kinshasa. Si on réalise toutes ces artères-là, dans les 2 années qui vont suivre, la situation va totalement changer. Les gens qui habitent dans la zone Mongafula, Campus, aujourd'hui, ils passent tous sur Biangala. Les parties prenantes sont déterminées à mettre à profit ces 2 jours de travaux pour réfléchir sur ce projet afin de ne pas retomber aux faiblesses de la phase 1. 0 décès maternel évitable, 0 cas de violences basées sur le genre et autres. Ce sont l'un des résultats transformateurs dans le cadre de priorité de la RDC. Ces sujets et tant d'autres ont été au centre des échanges entre la ministre du genre, famille et enfants et une délégation de l'UNFPA. Yvette Makuntima et Eric Joquet pour d'autres détails.
Les ministères du genre enfants et familles et l'UNFPA, deux partenaires qui se soudent le coude dans plusieurs projets prioritaires qui touchent aux catégories vulnérables. Entre la ministre du genre enfants et familles, Mireille Massangou-Bibimouloko, et la nouvelle représentante ad intérim de l'UNFPA, Suzanne Mandang, il s'est agi d'un passage en revue de plans prioritaires stratégiques communs. Nous avons trois résultats transformateurs qui rentrent dans le cadre des priorités de la RDC. Le premier, c'est zéro décès maternel évitable. Le deuxième, c'est zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale. Et le troisième, c'est zéro cas de violence basée sur le genre. Autre activité, c'est cet échange avec la délégation du réseau genre de droits des femmes. Activité à l'issue de laquelle une note de plaidoyer a été remise à la patronne du genre, Mireille Massangou-Bibimouloko, en vue de la mise en œuvre du décret instituant les centres intégrés des services multisectoriels. Une dizaine d'anciens Kulunare convertis en bâtisseurs de Kanyamaka CC séjournent déjà en Afrique du Sud pendant 6 mois. Sur les sols de Nelson Mandela, ces bâtisseurs sont allés en formation de maintenance des machines. Ils ont pris l'avion hier à l'aéroport international d'Injili. Richard Kalala était dans leur suite. C'est un rêve longtemps caressé qui est devenu une réalité pour les bâtisseurs du service national. Un renforcement des capacités qui arrive à point nommé, le service national compte réaliser plus de 25 000 tonnes de maïs au cours de cette saison agricole. Voilà pourquoi l'accent est mis cette année sur le capital humain. Partis de cet hôtel 4 étoiles où ils étaient logés, ces bâtisseurs ont embarqué dans le bus avec leurs bagages, destination le bureau de service national pour le dernier réglage. Des conseils sur la conduite adoptée durant les 6 mois de formation de machinistes et maintenanciers de machines leur ont été donnés par le commandant de service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, via son directeur de cabinet. Et maintenant, ils peuvent prendre la route de l'aéroport d'Injili pour le vol à destination de l'Afrique du Sud. Formalité d'usage terminée, quelques bâtisseurs ont témoigné leur sentiment de gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FRDC, de la PNC et du service national. Le message au chef de l'État est qu'il puisse continuer à faire ce qu'il fait pour le service national. Je me rappelle toujours de son discours qu'il avait tenu dans un sommet des Nations Unies. Il avait dit « J'ai 80 millions d'hectares de terres arables dans mon pays. Pour faire développer mon pays, je vais me baser sur l'agriculture. » Il en sera ainsi pour la formation d'autres groupes de bâtisseurs, chacun selon son domaine de spécialisation. Jossar Nyokalungu, affectueusement appelé Yanyosh, a 70 ans. Hommes politiques, culturels et musiciens se sont retrouvés hier à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe d'action des grâces pour célébrer le patron du groupe Zeiko Langa Langa, un anniversaire couronné par la remise d'une nouvelle Jeep, dont du chef de l'État, comme nous disent Joel Kayembe et Tonton Makilele. Depuis l'école primaire, a relevé la constance de la foi catholique de celui qu'on appelle Vieux Bombas, avant de reconnaître les parcours des titans de cette icône de la musique congolaise. Souffler sur la 70e bougie est une grâce, a dit Jossar. Moment marquant de cet événement riche en émotions, c'est la livraison d'une Jeep TX Prado, un cadeau personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'un des artistes qu'il a écouté dans sa jeunesse. Pour dire merci à celui qui m'a créé, à celui que, comme je l'ai dit, qui n'a cessé de me renouveler son souffle depuis 70 ans. Aussi, un sentiment de remerciement au chef de l'État qui a pensé à moi pour ce joli cadeau, ce grand cadeau.
Né le 7 septembre 1953, Nyokalongo est père de 9 enfants, 14 petits-enfants et actuellement, il est le PCA de la Sokoda, la Société Congolaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins, depuis septembre 2021. Le nouveau plan d'action de la politique sémencière nationale de la RDC en plein chantier. Ce nouveau document qui va s'étendre pendant 2 ans couvrira le besoin des 6 provinces en RDC. Les experts du secteur et les ministres de recherche scientifique sont depuis hier en atelier pour donner du contenu à ces plans qui visent à améliorer la sémence en RDC. Mamita Bangoulou pour le reportage. La cérémonie de ce jour cadre au lancement des travaux de développement du système sémencier fiable pour l'approvisionnement régulier des semences dans le cadre du projet PADCA 6 provinces. Ce lancement voudrait bien exprimer la volonté du gouvernement de la République qui croit pouvoir relancer le secteur de la production sémencière longtemps négligée dans notre pays. Le projet PADCA 6 vise à l'amélioration des semences améliorées pour une agriculture durable au profit de la population consommatrice qui ne vise que des importations au lieu d'une consommation locale. En signant un accord avec l'INERA, qui est une institution de recherche, le projet PADCA 6 voudrait profiter de l'expertise de cette institution pour disponibiliser des semences améliorées de qualité pour la relance de la production de différentes variétés pour la population de la RDC. Ce projet d'une durée de 2 ans devra couvrir les besoins des 6 provinces en RDC. Le premier orateur a expliqué l'importance de l'INERA dans ces dispositifs de développement sémencier dans notre pays. La semence est un produit très important depuis la recherche jusqu'à la production. Le directeur scientifique a fait une présentation de la convention du projet dont l'objectif vise l'amélioration des semences fiables et améliorées pour une production visant à augmenter la production des variétés essentielles pour la population congolaise. Le coordonnateur du projet a rassuré l'assistance de la meilleure politique du gouvernement de permettre un accès aux semences améliorées pour une production durable sécurisant toute la population. Le DG de l'INERA a remercié le gouvernement de la République qui a demandé à l'INERA d'apporter une contribution importante ensemble avec les projets PADCA 6P pour l'approvisionnement des semences améliorées et fiables dans l'intérêt de nos agriculteurs et de nos consommateurs. Le processus électoral en RDC entame son dernier virage et les acteurs politiques de l'Union sacrée se mobilisent et se consultent pour non seulement porter la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle, mais aussi pour éviter les chaos après les élections. L'initiateur de cette démarche, Freddy Kita, était hier aux installations du parti politique MLC de Jean-Pierre Bemba pour entamer cette démarche. Cédric Kenina pour les commentaires. Tout s'est fait dans l'ordre. Regroupements politiques et formations politiques se consultent pour concourir ensemble et sceller du coup un partenariat pendant les élections de 2023. C'est la démarche que mène Freddy Kita, acteur politique, reçu ici par le secrétaire général du MLC. Nous savons tous que nous sommes dans une phase électorale. La CENI fait son travail, nous aussi, acteurs politiques, nous devons faire aussi le nôtre. Et je suis venu consulter le secrétaire général du MLC, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment nous allons aller en campagne, comment nous allons tenir ces élections dans la paix totale. N'oublions pas qu'à chaque fois qu'il y a élection ou campagne électorale, chaque candidat ou chaque formation politique dérape un peu. Il y a aussi les discours haineux. C'est dans ce sens-là que nous voulons éviter tout cela. Donc avant, pendant et après l'élection, la vie continuera. La République démocratique du Congo est un grand village. Notre démarche aujourd'hui est de consulter tout acteur politique congolais, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre. Nous allons tous les consulter et à la fin de nos consultations, nous allons voir le président du Parlement et du Sénat et le président de la République aussi pour leur remettre nos résolutions. Donc nous voulons la paix dans ce pays, nous voulons l'amour, l'unité et nous voulons la cohésion nationale. L'objectif, c'est aussi construire un discours commun, apaisé, pour des élections apaisées.
Et pour finir, plusieurs chantiers viennent de s'ouvrir dans la commune de Manika, dans la province du Lualaba. Et c'est le bourgmestre de cette commune qui a procédé au lancement de ces différents travaux. Plus de précisions avec Mamita Bangoulou. Plusieurs travaux d'intérêt commun sont réalisés dans la province du Lualaba pour le bien-être de la population, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur instruction de Fifi Mansouka, gouverneur de province, Thierry Sampumpa, bourgmestre de la commune de Manika, a amené plusieurs activités dans sa municipalité. Dans le quartier Kasombo, il a lancé les travaux de forage de puits, objectif approvisionner la population en eau potable. Au centre de santé Umoja du même quartier, Thierry Sampumpa a remis aux femmes les attestations de naissance à la satisfaction de bénéficiaires. L'autorité de la commune de Manika s'est rendue au quartier Mununka. Sur place, il a posé la première pierre pour la construction du bâtiment administratif de la police. Ce bâtiment date de plusieurs décennies. Et si vous voyez les responsables de la police ainsi que les OPJ, ils travaillent dans une promiscuité, dans une situation déplorable. Voilà pourquoi dans le cadre de notre budget de Rambourg, nous avons aligné la construction d'un bâtiment à un niveau. Pour nous, nous pensons que la restauration de l'autorité de l'État à Manika passe aussi dans la maison des cadres et du travail de la police territoriale ainsi que de la PCR. Voilà pourquoi nous nous alignons dans la vision du chef de l'État ainsi que des membres gouverneurs du film Mansouka Saïd. Le développement à la base n'est plus à démontrer dans la province de Lualaba en général et dans la commune de Manika en particulier où les infrastructures de tout genre au profit de la population sont nettement visibles. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Mamita Bangoulou Peshomu Bengaya Kasongo. La partie technique a été assurée par Nathalie Kikita, Henri Ali Massire, Dempoyi, Emile Zola, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaya, 20h Sandra Nyangi Tabou. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.